Accéder aux loisirs dans les meilleures conditions, tel est l'objectif majeur de Handiplage, un espace qui met à disposition des personnes handicapées un éventail d'accessoires et d'équipements. Place de parking, transat, zone ombragée, appareil de mise à l'eau. Manifestement, chaque bénéficiaire est ravi. C'est très bien parce qu'il y a des personnes qui s'occupent de nous. Il y a tout ce qu'il faut pour se mettre à l'eau. C'est nickel. Pour lui, c'est excellent parce qu'il a des contacts. Et je pense que dans son état, il faut qu'il ait beaucoup de contacts surtout. J'aimerais qu'il nage un peu plus, mais bon, c'est déjà pas mal. J'ai pas trop d'équilibre, je ne peux pas trop marcher comme ça sur le bitume. Donc c'est vrai que la rampe est très, très importante pour moi. Handicapé moteur, mental ou sensoriel, ici, chaque personne est encadrée par de nombreux handiplagistes qui ont suivi une formation en communication, mais aussi en pathologie. Des handiplagistes vraiment à l'écoute des besoins de chacun. À l'écoute, au service et avec une fibre particulière parce qu'on travaille dans l'humain et c'est très important. Je veux dire, pas n'importe quel jeune serait susceptible de faire ce type d'activité. Réservé aux personnes avec un handicap égal ou supérieur à 80%, titulaire d'une carte d'invalidité, cet espace ne cesse d'avoir du succès. L'an passé, près de 11 000 handicapés et leurs accompagnants ont profité de ces installations situées sur la pointe Croisette à Cannes.